Chers téléspectateurs, salut. Vous nous suivez en direct de votre chaîne préférée, Chart Official TV, chaîne qui accompagne la réalisation de l'entreprise Adi Consult Sarl et cela dans son intégralité. Chart Official TV vous présentera également diverses informations de par ses émissions et cela dans tout le domaine possible. Nous sommes très reconnaissants pour vos réactions, chers téléspectateurs constructives, exprimées par vos commentaires et partage de nos émissions, bien sûr, pour une large diffusion. C'est le mec, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et si vous voulez rester connecté afin d'être à la page concernant nos émissions, c'est simple. Assurément simple, c'est très simple. Par un simple clic, abonnez-vous, cliquez sur la clochette pour ne rien rater. Chers téléspectateurs, l'entreprise Adi Consult Sarl, c'est une entreprise d'études et de construction de nationalité congolaise. Elle réalise tout selon vos demandes. Nous vous avons balancé la fois dernière les travaux de construction des parkings dans la ville province de Kinshasa, précisément à la 7e rue Limité pour le compte de la DGI, Direction Urbaine des Impôts de Kinshasa, Division Véhicule. Et aujourd'hui, nous vous balançons la réception de cet ouvrage. Vous allez aussi suivre par cette émission l'intervention des chefs de projet et de la mission de contrôle. Chers téléspectateurs, lisez cette émission jusqu'à la fin. Avant de pouvoir continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est gratuit. Franchement, c'est gratuit. Et cela par un simple clic sur l'onglet « Abonnez-vous ». Cliquez sur la clochette pour ne rien rater. N'oubliez pas surtout de liker et de partager pour une large diffusion. Suivez. L'intervention de chef de projet. Bonjour, cher ingénieur. Bonjour. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes chef de projet
pour les travaux de construction de parking pour les comptes de la DGI Lumeté. Comment est-ce que le projet ou les travaux se sont déroulés? Mais les travaux, disons, se sont bien déroulés malgré le plus grand ennemi de la construction qui est la pluie, qui nous a dérangés, surtout beaucoup plus la pluie de la fin de l'année, qui a perturbé aussi notre planning par rapport à notre planification que nous avons faite. Mais qu'à cela ne tient, nous sommes arrivés à la fin et puis on a fini. C'est vrai, vous venez d'arriver à la fin de vos travaux. Nous savons qu'à chaque fois qu'il y a des travaux, il y a quand même des étapes que nous suivons. Et quelles sont les différentes étapes que vous avez suivies pour pouvoir exécuter ces travaux? Oui, je vais essayer de brosser ça d'une façon aussi plus brève. C'est-à-dire, je commencerai par dire que nous avons commencé par le déblayer, afin de rabattre la terre qui était un peu à la hauteur pour le permettre au niveau où les véhicules peuvent accéder. Et puis, nous avons eu à préparer la plateforme. C'est là où a intervenu la pluie qui nous a beaucoup plus aussi fauché. Alors, il y a eu la pluie, il y a eu des intempéries qui nous ont perturbés. Alors, mais néanmoins, nous avons réussi à préparer la surface avec le 031. On a fait rembler en 031 que nous avons compacté. Et après cela, nous sommes passés à la construction des murs de soutènement, devant soutenir le paroi du parking. Après cela, nous avons eu à passer directement à la pose de pavé. C'est vrai que vous avez, n'est-ce pas, dirigé ces travaux qui sont appréciés de tous. Croyez-vous que ces travaux sont durables? Exactement. C'est-à-dire que, contrairement à ce que font les autres, nous avons eu vraiment à préparer la surface, à préparer la plateforme. C'est-à-dire que c'est ce qui nous a pris en termes de temps. Sinon, on allait terminer ces travaux depuis longtemps. Il y a eu le facteur pluie qui nous a fauché. Parce que quand il y a la pluie, ça détruit aussi les sols. Ça abîme la qualité des sols. Ça. Et après cela, ça nous a créé des perturbations par rapport au planning. Mais néanmoins, nous avons pris toutes les mesures, suivant les normes, pour essayer de stabiliser la plateforme afin que le parking puisse quand même durer. C'est vrai, c'est un parking qui a la capacité de plus de 20 véhicules. Mmh. Et c'est un parking de véhicules légers ou lourds? Non, pas de véhicules lourds. C'est un parking de véhicules légers. Et pourquoi vous avez seulement fait un parking de véhicules légers? Oui, parce que c'est un parking d'un bureau. Donc, on ne peut pas envisager faire un parking avec un véhicule pour un bureau. Il n'y aura pas de camions qui vont venir dans un bureau. C'est-à-dire qu'il y a l'effectif du bureau qui est là. Il y a aussi les clients qui doivent venir. Tous vont venir par des véhicules légers. Pick-up et puis ainsi que voiture. Merci, cher ingénieur. Écoutez, la différence entre le parking de véhicules légers et véhicules lourds se situe à quel niveau? C'est situé au niveau de l'étonnage. C'est-à-dire, quand on parle de véhicules lourds et véhicules légers, vous comprenez déjà que c'est ce qui influe même la différence entre le parking des véhicules légers et les véhicules lourds. C'est par rapport à la charge, à capacité portante. C'est un travail qui est vraiment, comme je l'avais dit auparavant, accepté de tous. Quelle était l'impression du maître d'ouvrage? Il était content, il était content. Brièvement, il était très content. C'est vrai, derrière ces ouvrages érigés avec beaucoup de précision, et il y a déjà des téléspectateurs qui arrivent au point de dire que le Paris est déjà à Kinshasa. Donc vous avez construit quelque part le Paris à Kinshasa, c'est que quelque part coup de chapeau. Mais c'est vrai, dans notre ville, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de parking. Et quel mot pour ces gens-là qui pourront avoir demain ou après-demain besoin de construire le parking? Vous savez une chose, c'est le plus grand problème qui ronge aussi la ville de Kinshasa. C'est-à-dire pas le manque de parking. Ça, c'est vraiment le... Bon, moi je me suis toujours dit, est-ce que les autorités ont toujours pensé à ça? Mais je suis des fois dessus de voir que ce sont les privés qui le font. Ça, c'est une charge pour l'autorité nationale de penser à ériger des parkings afin de permettre qu'on puisse gérer bien les flux de circulation dans la ville de Kinshasa. Donc, on doit avoir le parking pour quand même alléger la circulation dans la ville de Kinshasa. L'entreprise Ali, quand on sable, c'est une entreprise qui est sollicitée dans beaucoup de domaines, pour aussi beaucoup de secteurs.
Et pouvez-vous, n'est-ce pas, présenter un mot concernant l'entreprise Ali Comtech, auquel vous êtes ingénieur? Bon, l'entreprise Ali Comtech n'est plus à présenter. Vous savez qu'il a déjà fait ses marques dans la ville de Kinshasa. Il y a des ingénieurs qui se donnent à fond pour élever l'emblème de l'entreprise. Nous aussi, particulièrement, nous battons pour ça. C'est-à-dire que l'entreprise n'est plus à présenter. Il y a beaucoup d'ouvrages déjà que nous avons pu exécuter qui présentent déjà ce que nous sommes. Mais pour quand même brosser d'une façon courte, je peux dire que c'est une entreprise qui se donne à fond pour relever le défi de la construction dans la ville de Kinshasa, aussi dans le pays. C'est très bien. Vous avez, n'est-ce pas, érigé les travaux qui ont été contrôlés par la mission de contrôle, la société, ce travail. Comment vous avez apprécié la qualité des contrôles de cette société? On a bien travaillé ensemble avec eux. Merci, cher ingénieur. C'est moi qui vous remercie. L'intervention de la mission de contrôle. Bonjour, cher ingénieur. Bonjour. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le directeur général de la société Sotrava. Et vous avez assuré le contrôle des travaux de construction de parking pour le compte de la DGIMT. Comment les travaux se sont effectués? D'abord, je rappelle que ce travail, c'est un bureau d'études qui regorge des ressources humaines qualifiées dans le travaux public, dans l'architecture, dans le travaux de génie civil. Nous sommes basés sur l'avenue Collège 57B, quartier 8, sur le boulevard Lumumba, en face de l'entrée abattoir. Alors, pour ce qui concerne ces travaux, moi-même j'ai assuré la fonction du chef de mission. Nous avons eu un permanent qui était tous les jours sur chantier, parce qu'on devrait s'assurer de la qualité et de l'effectivité des quantités telles que définies dans les bons de commande. Ceci était très bien fait. Nous sommes en train de préparer le rapport quant à ce. Mais quant à ce qui concerne le déroulement, vraiment c'est fait, je peux vous assurer que c'était très bien effectué. Les choses se sont très bien déroulées. Merci cher ingénieur, il y a beaucoup d'entreprises qui ont tellement besoin de vous assumer le contrôle pour leurs travaux. Quel mode ne vous laisse pas annoncer ce pour vous? Oui, vraiment qu'ils nous aient confiance en nous, qu'ils nous contactent, parce que nous avons l'expertise avérée dans les travaux de génie civil, les travaux publics, de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture. Donc vraiment nous sommes là, nous avons l'expertise nécessaire, nous avons les ressources qualifiées dans ces domaines précis. Et nous sommes vraiment disposés à collaborer avec quiconque qui voudrait bien solliciter nos services. Et dans la question de quelle garantie donnez-vous par rapport à cet ouvrage qui est érigé par rapport à la construction de ce parking? Là, nous avons signé. D'abord, je peux dire que les travaux se sont bien déroulés suivant les normes, suivant les règles de l'art. C'était très bien fait. Et d'ailleurs, là, avec la DGI, j'ai demandé qu'on puisse d'abord dresser un PV de réception provisoire parce qu'on devait revenir 6 mois après pour signer le PV de réception définitive. Donc j'assure que vraiment les travaux se sont très bien déroulés.